معكم ديديكاس أنس بن هنية من دار بوعزة. Salut, c'est ActuYTV2, on va regarder une petite vidéo d'excellent, d'un qui est excellent, excellent est un Marocain de Casablanca, et il fait des vidéos d'humour, et il filme ce qu'il y a d'insolite, et il aime bien rire, tout ça. Je l'ai connu quand il a été partagé par Hess l'Enfoiré. Donc on regarde cette petite story au hasard, et après je vous dirai mon avis. Comme dédicace, Anas Ben Hania, Mandal Bouazza. Ça c'est le hal du thème. Ce soir, mes dons dédicaces à Anas Ben Hania. Mandar Bouazza, c'est le hal. Je t'aime Anas, je t'aime toi. Wallah, je t'aime frère. Wallah, je t'aime mon cousin. Je t'aime Giro. Je t'aime. Moi, on passe Zara. Elle est là, Zara. Je t'aime. Wallah, je t'aime. Plein sport là-bas. Ouais, tu es centre là-bas. Anas, je dédicace à 100%. Ah, l'ami, on va pas. Je m'aime pas le coup, Nick Macron, Nick Sarkozy. Je t'aime, Guiro, je t'aime, Youssef, Anas, Oud, Enia, Benia. Ah, ouais, m'y fait. Anas, je t'aime, il est Loulou, M'gadda. Ah, je t'aime, frère. Elle est où la moulaga? Il fait. La moulaga, grosse moula, ta Bogota. Donc excellent, je le classe dans les perles du net, tout simplement. Je le classe dans les perles du net, ni plus ni moins. Comme dédicace. Ni plus ni moins, parce que moi, il me fait rire. Après, moi, j'ai des facilités parce que je comprends le marocain, mais il place quelques mots en français. Et je suis sûr que même si vous ne comprenez pas le marocain, vous arrivez à comprendre ce qu'il dit. Après, des fois, il exagère un petit peu, il fait des trucs un peu exagérés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il filme des choses insolites, des gens bizarres dans la rue. Il y en a pas mal à Casablanca. Ça arrive souvent de trouver des gens bizarres, des choses bizarres, dans des choses insolites dans la ville. Et il dégaine son portable. Voilà, et il ose dégainer son portable et immortaliser et partager. Voilà, c'est pour moi, je le classe dans les perles du net. Voilà, il a sa place dans la playlist Les Perles du Net, si vous voulez découvrir des perles d'Internet qui font rire. Donc, n'hésitez pas à écrire un commentaire, à dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à la prochaine.